Bonjour. Comme nous ne nous sommes pas vus depuis 33 ans, une petite vidéo de présentation s'imposait. Nous sommes aujourd'hui à Poissy, à la Villa Savoie, créée par Le Corbusier en 1929. Donc nous sommes ici dans la salle à manger. Vous voyez la cheminée, bien sûr, d'époque, les grandes fenêtres en bandeaux tout autour. Et maintenant, vous voyez ici les grandes ouvertures vers la terrasse qui prolonge donc la pièce et on a l'impression qu'on est à la fois dedans et dehors. Donc voilà la magnifique villa de Le Corbusier. Catherine, tu viens avec moi. Voilà, Gérard va de nouveau nous filmer. On va se mettre au milieu. Et tu vas dire quelques mots. Je vais te donner le micro. Attends, je te donne le micro. Tu veux pas faire entendre ta voix. Attends, Cathy, que je te donne le micro. Bonjour Diane, Douglas et Thorsten. Nous sommes le 2 mars 2016. Nous sommes très heureux de vous revoir la semaine prochaine à Paris, de se revoir au bout de quelques années. C'était à Montpellier. Et là, nous sommes dans la villa de Le Corbusier. C'est le grand salon, la salle à manger, la vue sur la Seine. Et Le Corbusier a construit cette maison en 1929. Admirer la luminosité du salon. On ira peut-être sur la terrasse quand la pluie s'arrêtera, voir la vue sur la Seine là-haut. Au revoir et à très bientôt. Sud. Donc, la façade sud, on a les éléments donc de Le Corbusier, les cinq principes de Le Corbusier. Piliers, toit terrasse, fenêtres en bandeaux, surface libre, intérieur, extérieur. Et ce qui est de curieux, c'est que lorsque l'on arrive, eh bien, au rez-de-chaussée, l'entrée n'est pas au sud, puisqu'on arrive par le sud, mais là, c'est tout ce qui concerne l'office, c'est-à-dire buanderie, garage, chambre des domestiques. La voiture contourne, c'est le tour. Donc on tourne autour de la maison. On voit bien sur la façade nord le toit terrasse. Donc on a fait le tour de la maison. Donc, on contourne la maison, la voiture est arrivée par le sud, le chauffeur dépose ses passagers devant la porte d'entrée et va se garer. Le garage est de l'autre côté, un garage pour trois automobiles en 1928, hein, tout de même. Et tout est entièrement vitré. Donc, cette maison posée comme un bijou sur un écrin de verdure avec ses pilotis. Et toute la partie du hall de réception est entièrement vitrée. Nous sommes plein nord pour faire rentrer la lumière. Donc je précise que c'était une maison de week-end, hein, pour se reposer en famille ou recevoir des amis, hein, puisqu'ils avaient un hôtel particulier à Paris. Donc, lorsqu'on arrive dans le hall d'entrée, pour aller à l'étage, on a deux options, ou le petit escalier hélicoïdal, ou la douce rampe inclinée qui permet d'accéder au premier étage, puisqu'au rez-de-chaussée, ce sont les services, hein, les chambres des domestiques, buanderie, etc. Et tout de même une petite cuisine.
la rampe d'accès tout en douceur. Donc, beaucoup d'espace, beaucoup de lumière. Donc, on arrive au premier étage. Et le grand living, qui est entièrement ouvert plein sud, sur une des terrasses, puisqu'en fait, vous avez deux terrasses. Et on imagine ces réceptions. Bon, là, c'est dommage, bon, les bacs qui normalement sont fleuris, hein, la photo ici est prise en février, donc février-mars, mais vous avez un beau ciel bleu. Et deuxième rampe qui permet d'accéder à la deuxième terrasse, au solarium, et surtout pour avoir une vue magnifique sur la Seine qui se trouve à quelques kilomètres de distance. Donc, on revient au living. Donc, les aplats de couleurs, comme dans la peinture puriste. Les fenêtres en bandeaux. Donc, imaginez un mobilier contemporain créé par Charlotte Perriand. On va le voir. L'éclairage, les radiateurs, cheminée centrale. Parce qu'il fallait tout de même bien chauffer ces pièces. Donc imaginez des sculptures contemporaines, des toiles des années 1920, des toiles contemporaines. Et la cuisine. Alors pour, évidemment, les hôtesses, les commanditaires, mais également pour Le Corbusier, même s'il était encore célibataire, la cuisine, c'est extrêmement important, surtout à une époque où il y a encore peu de machines domestiques. Et vous avez une très grande cuisine avec beaucoup de plans de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que les éviers, à une époque où on faisait encore la vaisselle à la main, eh bien, très bien éclairés, notés. Hein, c'est-à-dire, ça aussi, c'est très astucieux. Beaucoup de plans de travail. Et autre astuce, à la fois des passe-plats et des placards qui s'ouvrent sur deux côtés. Ça évite de faire tout le tour. Bien, alors vous allez me dire, mais il y avait quand même beaucoup de personnel, oui. Mais tout de même, ça fait gagner du temps et de la fatigue avec ce système de passe-plats et de placards à double ouverture. Ce qui surprend, bien sûr, ce serait plus agréable de voir les chambres meublées, hein, mais n'oublions pas que cette fondation accueille beaucoup de visiteurs, et donc il n'y a presque pas de meubles, mais c'est également la conception du mode de vie de Le Corbusier, vision très spartiate de la vie, un lit, une armoire, une table de chevet, une lampe. On n'a pas besoin d'autre chose pour vivre. Hein? Bon, ce n'était pas la conception de sa femme. Enfin, bon, bref, on en parlera un petit peu plus loin. Donc, des couloirs d'accès. Alors, pour le photographe, enfin, Bruno a accentué un peu cet effet exprès, mais pour pallier, parce que pourquoi perdre de la place avec les couloirs, qui sont simplement des zones de transit, finalement. Hein, on ne va pas aller s'installer dans un couloir pour lire ou écouter de la musique. Donc, très petit, très étroit, mais on compense par des puits de lumière, c'est-à-dire ouverture avec lumière naturelle, et des aplats de couleurs, vert au rez-de-chaussée pour rappeler la verdure, le gazon, et bleu à l'étage pour rappeler le bleu du ciel parisien. Donc, nous arrivons dans la chambre des maîtres de maison. Dans la chambre d'amis, excusez-moi, avec une salle de bain commune avec la chambre du fils, la chambre d'amis, et double fonction, l'armoire sert à la fois de cloison, derrière il y a un bureau et on peut mettre un lit, et en même temps d'armoire, hein, séparation, mais il n'a pas voulu qu'elle aille jusqu'au plafond pour ne pas perdre de luminosité. C'est très sobre. Et petite astuce, cette armoire sert en même temps
d'étagère pour les livres et avec une partie bureau avec la lampe et toujours des parties de rangement. Et le lit, on peut le poser où l'on veut. Hein. C'est la seule, le seul élément mobile de la pièce, c'est le lit. Voici la chambre des parents avec une salle de bain plus luxueuse, ouverte. Nous sommes en 1928, donc des salles de bain ouvertes comme cela, ça se fait, disons, depuis les années 2000. Mais en 1928, hein, avec une méridienne, une chaise de repos intégrée à la baignoire, hein, donc on imagine le lit ici, petit pilier, il n'y a que quatre poteaux porteurs, hein, pour la totalité de la maison, c'est du béton armé. Et les aplats de couleurs, c'est-à-dire pour éviter la monotonie du blanc total, on a de temps en temps des murs, mais ce n'est pas n'importe quelle couleur. Hein, vous le notez. Hein. Donc ici, c'est le parquet, radiateur, hein, pas du linoléum. Et voici, donc toujours les petites astuces, les murs. Pourquoi ? Est-ce que ce serait des murs tout simples? Non, un mur peut être également un objet de rangement, d'armoire, etc. On ne peut pas ranger grand-chose là-dedans. Pardon? On ne pouvait pas ranger grand-chose. Oui, mais enfin, disons, Le Corbusier, il y avait sa propre conception. En fait, il vivait un peu comme toujours en transit, hein, c'est-à-dire quelques livres, une lampe, deux ou trois costumes, deux paires de chaussures, ça suffit. Hein. Et puis du papier pour dessiner, un atelier pour peindre, voilà. Mais il avait une vision de la vie assez spartiate. Donc voici la belle salle de bain des parents, avec une baignoire un peu à la grecque ou à la romaine, hein. Comment on descendait là-dedans? Alors, il y a des petits... Ah oui, alors là, vous allez voir dans l'appartement de Le Corbusier, je présume que soit il était très très souple, soit il avait de très longues jambes. Enfin bon, vous allez voir, ces baignoires sont toujours à 70 cm de hauteur. Hein. Alors, il y a quand même un petit escalier pour accéder. Alors, je précise que les commanditaires ont en général moins de 40 ans. Ça compte, hein, tout de même. Et depuis la salle de bain, alors, il y a quand même un rideau prévu. De nos jours, on mettrait plutôt un système de porte vitrée. Mais depuis la salle de bain, en prenant son bain ou en se brossant les dents, eh bien, on a une perspective sur les bois, 7 hectares de forêt tout autour. Voilà, toujours le rangement. Voici. Et un boudoir qui donne à la fois sur les terrasses et sur le bois. Et les chaises de Charlotte Perriand, dont nous allons... on en reparlera, le tabouret. Donc, c'est de... Il y a la peinture puriste, il y a l'architecture puriste et il y a un mode de vie puriste, c'est-à-dire presque rien, monacal. Voici les terrasses. Donc, accès au solarium, on imagine les réceptions ici. Et le solarium, et c'est vrai que même en plein hiver, si on met une chaise longue ici, il fait 12 degrés de plus. Donc, pas tenable en été, mais par contre, aux demi-saisons, très agréable. Et un trou, une ouverture, excusez-moi, dans le mur. Pourquoi? Parce qu'au bout, là-bas, il y a la Seine. Ah,